Dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de l'arbre, édition 2017 placée sous le thème « Planter pour lutter contre la désertification, être résilient au changement climatique et donner de l'ombre à nos concitoyens », les membres de l'association Al-Misbah ont organisé ce matin une cérémonie de mise en terre de plants. Les choix sont portés sur le village Bir Barka dans le département de Dababa, Barelak. Offrir de l'ombre à la population du village de Bir Barka dans le département de Dababa, c'est la vision des membres de l'association Al-Misbah. C'est pourquoi ils ont choisi le centre de santé de ce village pour mettre en terre 200 plants. Un geste qui corrobore avec l'engagement du gouvernement à lutter contre la désertification. L'initiative a été saluée par le responsable du centre de santé de cette localité. L'association a bien voulu choisir notre centre de santé. C'est déjà l'honneur pour nous. Nous ne voulons pas que ça s'arrête ici. Il y a d'autres centres de santé qui n'ont même pas des arbres. La protection de l'environnement n'est pas un simple mot, mais un comportement à propos du chef de canton de Dababa, Cheikh Hissène Abakar Chabaka. Il exhorte sa population à entretenir et protéger ses plants. Le coordonnateur national de l'association Al-Misbah, Abdraman Mohamed Idriss, a souligné que le choix porté sur le village de Bir Barka dans le Hadjalamis n'est pas fortuit, car elle fait frontière à d'autres régions menacées par l'avancée du désert. Nous avons choisi la région de Hadjalamis parce que ça représente la porte du désert. Le désert a déjà englouti Mao, la région du Kanem. Donc si nous voulons lutter vraiment contre le désert, nous devons commencer par cette région qui est la frontière avec le désert. La Semaine nationale de l'arbre a été instituée en 1972 par les pouvoirs publics. Son objectif est d'encourager la population à planter des arbres, les protéger et les entretenir.